Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter My Korean Lover tome 3 de Maud Parent, paru aux éditions Hachette Roman. Comme souvent avec les suites, il y a des risques élevés de spoilers, et cette chronique du tome 3 n'échappe pas à la règle. Alors, si vous ne voulez pas être privé de surprise dans votre lecture du tome 2, passez votre chemin. Dans les 86 précédents épisodes publiés à ce jour, il y en a bien un qui est fait pour vous, non ? Sur ce conseil avisé, commençons. Nous retrouvons donc Lila Blanchette dans la fidèle Dudush surnommée Mona de Sceaux, sa meilleure amie. Venue la chercher en pleine nuit sur les quais de Seine, Sceaux est dans tous ses états. Dans la journée, elle a intercepté un homme en costume noir à l'attitude hostile déposant un pli dans la boîte aux lettres de Lila. Ayant la clé, elle a récupéré le courrier et bien évidemment l'a lu. La MC Corporation, la société de production millionnaire, accessoirement mes autres prods de Taeyang, la poursuit en justice pour les propos de son livre My Korean Lover sur son amie Nanae, l'envers du décor de la création d'idoles, et pour rupture de contrat. Elle et son tout petit salaire d'employé face à une société pleine aux as, comment va-t-elle faire face? Sceaux est persuadé que Taeyang est au courant, voire même l'instigateur. Et c'est cette conviction qui l'a motivé à l'enlever de ses bras alors même qu'ils étaient sur le point de s'embrasser sur les quais. Lila est perdue. Elle est folle amoureuse de lui et la réalité se heurte contre ses sentiments. Taeyang retrouve les deux filles après une course effrénée dans Paris et demande des explications. Une fois mis au courant, il jure qu'il n'y est pour rien et que depuis son retour récent de son service militaire, sa maison de production ainsi que son nouveau manager, qu'il n'apprécie pas du tout soit dit en passant, font beaucoup de choses dans son dos et sans son accord. Il promet donc à Lila de tout régler et que tout va s'arranger. Le trio repart pour déposer Taeyang au George V. Malheureusement pour nos acolytes, un paparazzi du Quai Trash Magazine attend à l'entrée du palace. Les deux filles et l'idole partent donc pour une course-poursuite dans le Paris nocturne dans la deux chevaux de Sophie. Une fois l'indésirable semé, le lieu de rendez-vous est donné au pied du Sacré-Cœur et Kim Taeyang est exfiltré par son équipe. Lila ne sait pas quand ni si elle va le revoir et c'est tout étonné qu'elle le voit le lendemain sur le trottoir en face de chez elle. Les deux amoureux passent la journée ensemble et le soir, ils se rendent à l'anniversaire de son ami Tony. La soirée se déroule bien quand Lila décide de jouer franc jeu avec son aimé, en lui avouant ne pas se sentir prête ni désireuse de fonder une famille. Elle sait suite à un aveu de sa part que c'est important pour lui et elle veut être tout à fait honnête. Taeyang change d'attitude et suite à la réception d'un message, quitte la soirée. Le lendemain, un goût de déjà-vu se fait sentir dans le café du palace parisien où il lui a donné rendez-vous. L'idole est encore une fois en train de rompre avec Lila, affirmant ne pas avoir le choix. Lila souffre encore une fois à cause de lui et s'en va sans lui laisser plus de temps pour la blesser davantage. King Kong et son nouveau manager repartent pour la Corée du Sud le jour même, laissant encore une fois un fossé et un océan entre eux. Cette épreuve sera-t-elle celle de trop? Quel impondérable oblige Taeyang à quitter et à blesser de nouveau celle qu'il aime sincèrement? Leur amour sera-t-il enfin couronné de succès? La fin d'une love story? Ou le début d'une longue vie à deux? À vous de le lire. Dernier tome aussi agréable et addictif que les précédents, une trilogie bonbon qui a fait fondre mon cœur de midinette. Une romance tout public, prête à faire vibrer la petite fleur bleue qui sommeille en chacun de nous. Alors, laisserez-vous sa chance à cette série? Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 23 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, on se retrouve sur mon compte Instagram @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.